Pour réaliser cette émission de Jeux sans frontières, la télévision suisse romande n'est pas allée installer ses cars de reportage loin de son centre et de ses studios. L'estantisme et de sa tendance sans doute la plus austère, le calvinisme. Une Genève qui, voulant se garder de certaines contaminations, votait des lois somptuaires et chassait Voltaire. C'est à la fin du XVIIIe siècle, pour s'opposer à cette Rome protestante, que le roi de Sardaigne, Victor Amédée III, donne à Carouge le titre de ville et ordonne un développement et un urbanisme qui, aujourd'hui encore, permettent à la ville de croître harmonieusement. S'opposant au dogmatisme, Carouge devient rapidement la championne de la tolérance et de la liberté, acceptant en ses murs tous ceux que la Genève prude rejette. Cette tradition de tolérance, Carouge l'a conservée, et une des preuves en est la présence de nombreux artisans, ces travailleurs dans la liberté, et peut-être une tradition pauvre en préjugés. C'est à Carouge que sont installées ce soir nos caméras. Il n'y a plus qu'un geste à faire, qu'une phrase à dire pour que commence la fête. Jeux sans frontières, Carouge, top! Pas à l'époque de l'extension de Carouge, mais bien plus tôt dans son histoire. À l'époque au Moyen-Âge, à l'époque où toutes les belles histoires commençaient par « Il était une fois ». L'histoire que Jacques Villers et moi allons vous raconter ce soir commence elle aussi par « Il était une fois ». Il était une fois à Carouge un riche et honnête marchand qui avait cette fille, cette belle fille, cette fille à marier. La renommée de leur beauté et de leur vertu avait gagné toute l'Europe et les prétendants ne manquaient pas. Et un soir de fête, ils vinrent avec leurs suivants, ils vinrent de 7 pays d'Europe. Ils désiraient chacun épouser l'une des filles du riche marchand, mais tous, en fait, aspiraient à la plus belle, celle prénommée Victoire. Et ils vinrent l'un après l'autre déposer leurs demandes aux pieds du père. Et bien sûr, comme c'était un conte, ils étaient tous des princes. Il y avait, venant d'Allemagne, le prince de Schwäbisch-Gmünd. Et ce prince dépose aux pieds de notre marchand son épée et son nom. De la France voisine, le prince Blanzac. Du Royaume-Uni de Grande-Bretagne, nous vint le prince de Macclesfield. De l'Italie et en grand équipage, le prince de Modena. Du royaume des Pays-Bas se présente le prince de Nieuwegein. La Belgique a délégué le prince de Zweigegem. Et venant du royaume de Sardaigne depuis 1815 de Quelin, le prince de Carouge. L'autre brave commerçant ne put se décider. Et pour les départager, il ordonna un tournoi. Mais comme il était pacifique, il interdit l'usage des armes. Et il ordonna vraiment un tournoi pacifique. Un tournoi qui permettrait de démontrer quelles sont les vertus qu'il faut, non seulement pour un bon mari, mais simplement pour un homme. Dans chacune de ces épreuves, si vous êtes doué, vous trouverez matière à réflexion.
et il avait besoin d'un arbitre, de deux arbitres même, et il ne trouva que des récidivistes. Qu'on les exécute ! Non, 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 que d'accord. La fête commence ! Coupez, coupez ! Mais non, que la fête commence ! Jacques Villers, je vous présente les deux récidivistes, Gennaro Olivieri et Guido Pancaldi. Et maintenant, la fête peut commencer avec le premier jeu. Voilà. Bien. C'est mieux que ce soit le ciel qui nous tombe sous la tête plutôt que l'âge. On est bien d'accord. Il pleut, vous vous en êtes rendu compte, mais ça va gêner personne. Nous sommes prêts maintenant pour le premier jeu. Le jeu... Ah, oh là là, deux équipes jouent leur joker. L'équipe belge de Zwevegem et l'équipe néerlandaise de Nieuwegein. Alors, leurs points seront doublés. Merci, messieurs. Bonne chance, bonne chance. Je ne sais pas comment on dit ça en néerlandais, mais je vous le dis quand même en français. Bonne chance. Veel geluk. Voilà, je me mets au néerlandais. Ce premier jeu est très simple. Un concurrent par équipe avec son soufflet va gonfler un ballon qui va éclater sur la tête de son adversaire. Trois séries. La première série opposera l'Italie aux Pays-Bas. La Pays-Bas qui a joué son joker. Attention. Debout. Attention. 3, 2, 1. Bien sûr, l'équipe la plus rapide qui gagnera. On en est à 45 secondes. Les Pays-Bas, je vous le rappelle, ont joué leur joker. Et le ballon des Pays-Bas... Voilà ! Nous avons d'abord eu l'explosion du ballon des Pays-Bas. Ensuite, le ballon du concurrent italien, le ballon du concurrent de Moena. Maintenant, les deux autres concurrents se préparent pour leur tour. Il s'agit bien sûr de la Suisse et de la Belgique, mais avant d'abord les résultats. Alors, les deux équipes sont très prêtes. Pour l'Italie, 46 secondes. Moena, 46 secondes. Et pour la Hollande, 45 secondes. Et Nieuwegein, 45 secondes. Et maintenant, Carouge contre Zwevegem. Attention, 3, 2, 1. Le concurrent qui rejoint, c'est Roland Mage. Il a 21 ans, ça doit changer de la spéléologie. Temps à battre, 45 secondes, je vous le rappelle. Est-ce que Roland Mage fera mieux? 40 secondes. Alors, 5 secondes. Bravo, Carougeois! Bravo, Roland Mag! Hop, Zwevegem, encouragez Zwevegem maintenant! Allez, Zwevegem, voilà! Je vous remercie d'avoir pas seulement pensé aux Carougeois, mais d'avoir pensé également à l'autre concurrent, au concurrent de Zwevegem, et de l'avoir bien encouragé. Maintenant, il y a encore deux concurrents qui vont se battre, un de Macclesfield et l'autre de Blanzac. Il faudra aussi les encourager. Les résultats. Alors, pour la Belgique, 54 secondes. Zwevegem, 54 secondes. Et écoutez bien, pour Carouge. Pour Carouge, suspense, 45 secondes. 45 secondes. Attention, les deux dernières équipes. Attention, 3, 2, 1. Blanzac contre Macclesfield. Une technique intéressante et toute nouvelle. S'il perd son chapeau, ça n'a pas d'importance. L'important, c'est que le ballon éclate. Secondes. Bravo Blanzac! Bravo Blanzac! Et maintenant le concurrent de Macclesfield.
Il est évident qu'avec le système de croiser les fils, ils ne sont jamais sûrs d'avoir fini. Attention, nous avons... Nous arrivons au temps limite. Une minute, le temps limite. Attention. Temps limite terminé. À Montfleury-Savé. Et c'était trop tard. Eh bien maintenant, les résultats de cette dernière série et ensuite les résultats du premier jeu. Gennaro. Georges, pour la France, nous avons 36 secondes. Pour Blanzac, 36 secondes, meilleur temps. Et pour la Grande-Bretagne, 0-0 en dehors des temps. En dehors du temps pour Macclesfield, 0-0-0. Alors, les points maintenant. Les points. Pour la France, 6 points. Blanzac, 6 points. Pour la Hollande, avec son joker, 10 points. Nivrein, 10 points. La Suisse, ex aequo, mais sans joker, 5 points. Carouge, 5 points. Pour l'Italie, 3 points. Moena, 3 points. La Belgique, avec son joker, 4 points. 2 fois 2, 4 pour Zwevegem. Et pour la Grande-Bretagne, 1 point. 1 point pour Macclesfield. Et maintenant, tout de suite, au fil rouge, Jacques Villers. Le fil rouge commence à l'horizontale et finit à la verticale. Épreuve difficile car il s'agit de passer la nuit dans le lit d'une sorcière. Un couple formé d'un garçon et d'une jeune fille d'un même pays tentera de garder le lit malgré les tracasseries des sorcières adverses et les soubresauts du lit infernal. Quand le couple aura atteint l'apogée de l'inconfortable, il choisira la défenestration volontaire pour agripper la corde du salut et résister le plus longtemps à la chute inévitable dans le bouillon magique. C'est donc à une véritable descente de lit que vous allez assister. Et au départ, numéro 1, l'équipe de Schwäbisch Gmünd. Voici donc, dans ce lit allemand, nos coussins germains. Attention, Achtung, 3, 2, 1. Et on les encourage. C'était Gerhard Moritz, 27 ans, maître de sport et de travaux, et elle, Hanne Kessler, 24 ans, vendeuse d'articles de sport. Le prince est pratiquement tombé sur la princesse. On aurait donc pu dire Deutschland über Altes. Nous attendons le résultat. Guido. On a le premier résultat pour l'Allemagne, un temps total, jeune fille et homme, 124 secondes. Schwäbisch Gmünd. 124 secondes, il n'y a rien à dire, c'est pour l'instant le meilleur temps. À vous, Georges. Eh bien, le deuxième jeu, lui, a lieu, se déroule avec des chevaux. Et des chevaux, c'est très bien, mais encore faut-il les ferrer. Je vais vous montrer comment ça se fait. Ça se met dans le bon sens, comme ça, et ça tient. Évidemment, moi, j'ai eu de la facilité pour le mettre. Les trois concurrents qui vont maintenant se battre avec ces trois groupes de chevaux auront, eux, beaucoup plus de problèmes. Ce jeu se déroule en deux séries de trois concurrents. Est-ce qu'on est prêt? Oui. Attention, attention. Tout le monde. 3, 2, 1. Dans cette première série, il y a bien sûr des forgerons italiens, un Suisse et un Belge, et opposés à, dans des chevaux, des Allemands, des Belges et des Britanniques.
Tu es suisse. Le concurrent carougeois qui est Albert Michel, un employé de banque, lui est opposé à des chevaux belges. Et il faut que les fers tiennent. Ça n'a aucune importance de les mettre en cours dans le mauvais sens pourvu qu'ils tiennent. Le concurrent italien a une technique très particulière, vous la voyez. Il s'accroche au cheval et d'attendre que ça passe, mais ça ne tient pas. Le concurrent belge a réussi à mettre un de ses sabots. Le concurrent suisse aussi a un sabot qui est contre. Un jeu très dur, très difficile. Et le concurrent carougeois ainsi que les autres concurrents méritent vos encouragements. Épuisant le jeu. Encore 20 secondes. Encore 20 secondes. Encore 5 secondes. Eh bien, fin de cette première série. On va changer tout le monde. Derrière les chevaux, on va mettre des concurrents italiens, néerlandais, suisses. Devant, ça va être des Britanniques, des Allemands et des Néerlandais qui se préparent. Et les juges, bien entendu, vous avez vu ce qui s'est passé, vont maintenant se donner toute la peine qu'il faut pour pouvoir me donner un résultat. Guido, un résultat. Alors, on a la Belgique qui a un temps pour les deux fers, pour chausser deux fers, 1 minute et 36 secondes. Zvevegem, 1 minute 36. L'Italie, un seul fer. À la fin du jeu, l'Italie n'avait qu'un seul fer, donc Moena, un fer posé. Oui, et malheureusement, la Suisse, pas de fer, 0-0-0. Carouge, malheureusement, n'a pas eu de fer posé à la fin du jeu, 0. Et maintenant, est-ce que l'on est prêt pour la deuxième série? Les concurrents sont prêts, les chevaux sont prêts. Quand je pense que Buffon osait dire que le cheval est la plus noble conquête de l'homme, il n'avait pas vu ça. Allez, maintenant on sait qui est qui. Vous êtes prêts là-bas? Tout le monde est prêt pour la deuxième série? Attention, attention. 3, 2, 1. Les concurrents carougeois vont essayer de rendre la vie aux concurrents néerlandais. Les concurrents carougeois, c'est Charles Morin, un tapissier de 26 ans, et Bernard Poussin, un étudiant de 20 ans, membre de l'équipe première du Carouge. Il faut qu'il sache shooter là aussi. Oh là ! J'ai l'impression que le concurrent néerlandais a battu un record en réussissant si rapidement à mettre les deux fers à ce cheval carougeois. Un fer est mis, me semble-t-il, au cheval allemand, au cheval britannique aussi. Les Britanniques également, Macclesfield a réussi son pensin, mais l'Allemagne aussi. Est-ce que ça compte pour l'Allemagne? Oui. Terminé. Bien. Alors, le temps d'avoir les résultats, bien sûr. Voilà les résultats. On a pour l'Allemagne 54 secondes. Schwäbisch-Gmünd, 54 secondes. Pour la Grande-Bretagne, 46 secondes. Macclesfield, 46 secondes. Pour la Hollande, c'est le record, 25 secondes. Et pour Nieuwenhuizen, 25 secondes. Les points maintenant. Hollande, 6 points. 6 points pour Nieuwenhuizen. Grande-Bretagne, 5 points. 5 points pour Macclesfield. Allemagne, 4 points. 4 points pour Schwäbisch-Gmünd. La Belgique, 3 points. 3 points pour Zvevegem. Italie, 2 points. 2 points pour Moena. Et la Suisse, 1 point. Et 1 point pour Carouge. Et maintenant, on passe au fil rouge tout de suite.
Merci Georges, c'était vraiment un jeu très difficile, il faut le faire, et moi je trouve très sabot. Je trouve ça très beau. C'est d'ailleurs en forgeant que l'on devient forgeron, c'est en général en ferrant que l'on devient maréchal ferrant, et c'est finalement en sciant que Léonard de Vinci. Deuxième fil rouge, c'est Blanzac, c'est la France, une situation pionastique, puisqu'on va trouver un couple français dans un livre français. Attention, 3, 2, 1... Et on les encourage, allez Blanzac! Et quand la cloche va retentir, ils n'auront plus que 5 secondes pour s'envoyer en l'air. Agriculteur, elle, Janine Negreto, mère de famille. Maximum une trompe. Une trompe maximum, ils ont l'air de bien tenir. Ma foi, qui a une sacrée tenue, c'est le cas de dire. Attention. Eh bien, bravo. Bravo, Blanzac. Et l'on vient de voir confirmer ce que l'on savait déjà, c'est-à-dire que les Français se tiennent beaucoup mieux au lit que sur la route. Voilà, après cet excellent mot, le temps total pour la France, 161 secondes. Temps total pour la France, 161 secondes, c'est bien sûr le meilleur temps. À vous, Georges. Eh bien, puisqu'il pleut, je vous donnerai les règles de ce jeu en style télégraphique. 3 filles, 2 garçons, 13 en fort comme celle-ci, par équipe. 5 adversaires armés de projectiles, 45 secondes temps limite. Dans ce laps de temps, faire passer le plus grand nombre d'amphores le long du mur que vous voyez là. Elles dépassent et les gens vont les abattre. Parce que vous savez, ces amphores, elles se cassent. Je vais vous le prouver. Alors, la première équipe à passer est l'équipe de Carouge. Dans cette équipe, il y a Jacques Rosset, il y a Didier Zanone, il y a Joël Herman. Rien à voir avec Paul Herman qui se trouve dans une de ses cabines avec tous mes confrères de l'Eurovision. Et j'en profite pour leur dire à tous bonsoir et bienvenue à Carouge. Il y a Evelyne Lachat et Divina Pastor. Est-ce qu'on peut aller? Oui, Georges. Alors, première série, premier passage, la Suisse. Attention. Carouge. Attention. 3, 2, 1. Il y en a une qui va être annulée parce qu'elle ne passe pas correctement sur le rail. Il y en a une qui arrive entière, bien qu'elle ait été touchée. Heureusement, il n'y a pas de galon de bon tireur dans les adversaires. Si, quand même, au moment où je le dis, il se passe quelque chose. C'est toujours comme ça. Oh là là, la main a eu chaud, là. Casser, nous ne les acceptons pas. Oui, oui, il faut les casser tout de suite, faut les finir. Attention, le temps, c'est 45 secondes, il reste encore 5 secondes. Encore 5 secondes. Attention. Et cette amphore ne comptera plus. D'une part parce qu'elle est arrivée trop tard et ensuite parce qu'elle a aussi été abîmée. Alors, combien d'amphores avons-nous pour Carouge? Alors, pour Carouge, nous avons 2 amphores. 2 amphores pour Carouge. Maintenant, l'équipe suivante est l'équipe belge de Zwevegem. Elle doit être prête, on ramène les projectiles. Bien entendu, le concurrent de Zwevegem se retire des projectiles et c'est un Suisse qui vient, c'est Bertrand Raval, un employé de banque, j'espère qu'il sera touché. Alors, est-ce qu'on est prêt? Oui. Andart, tri, V, il. On va même y arriver.
café, elle n'arrivera plus. Et la première arrivée n'était pas transportée correctement, donc elle ne compte pas. Pour l'instant, j'en ai aucune pour l'équipe de Zwevegam. Il faut vous dépêcher car le temps passe, on en est à 30 secondes. Une enfin arrivée. Et les enfants se cassent les unes après les autres. Attention, non. Et c'est terminé pour Zwevegam. Les comptes sont faciles à faire. Je crois qu'on peut compter jusqu'à... Jusqu'à un. Une enfant pour la Belgique. Zwevegam, une enfant. Et maintenant, c'est l'équipe de Blanzac qui se prépare. Je vous rappelle que pour l'instant, Carouge a réussi à ramener deux enfants. Zwevegam, une seule. Et maintenant, nous allons voir ce que savent faire les garçons et les filles de Blanzac. Attention, 3, 2, 1. Deux déjà arrivés pour Blanzac, arrivée entière. Derrière, je vous signale qu'il y a une piscine et que tout ce qui n'arrive pas tombe dans la piscine et que parfois des concurrents tombent aussi à l'eau. Charge encore 5 secondes. Encore 5 secondes pour Blanzac. Et c'est terminé pour Blanzac. J'ai l'impression que Blanzac a fait un bon score. Une amphore était cassée, mais je crois qu'elle était cassée au départ et qu'elle n'a pas été touchée par des projectiles. C'est bien ça. C'est exact, Georges. Il y en avait une qui était cassée au départ très légèrement. Nous l'avons acceptée. Elle n'a pas été cassée par les adversaires. We accept the first base, which was broken before the start. It was not hitten by adversary. Alors le résultat pour la France, c'est 4 amphores. Blanzac, 4 amphores. Et maintenant, l'équipe allemande de Schwedisch Gmünd. Vous êtes prêts, Barrett? Achtung, 3, 2, 1. Maintenant ça touche. Plus habile. Oui, oui. C'est solide aussi. Très solide. Encore 15 secondes et déjà 1, 2, 3, 4, 5 amphores pour l'équipe de Schwedisch Gmünd. Encore 5 secondes. Et c'est terminé. Maintenant, les résultats. J'ai l'impression que les résultats de Schwedisch Gmünd sont très impressionnants. Nous allons le savoir tout de suite. Gennaro. Pour l'Allemagne, 5 amphores valables. 5 amphores valables pour Schwedisch Gmünd. Pendant ce temps, l'équipe néerlandaise de Nieuwegein s'est préparée. Attention. Attention, 3, 2, 1. Nieuwegein à son tour. Et pour l'équipe de Nieuwegein, c'est important. Ils ont 16 points. Ils sont à l'heure actuelle à la tête du classement général. S'ils réussissent à faire un bon score, ils pourront maintenir cette tête du classement général. En deuxième position, nous avons avec 7 points Zwevegam. Et en troisième position, Execo, Carouge, Blanzac et Macclesfield. Moena est dernière avec 5 points. Nous avons combien? 15 secondes. Encore 15 secondes. Et 1, 2, 3, 4, 5 amphores arrivés qui m'ont l'air d'être valables parce qu'elles n'ont pas été cassées par les juges. J'ai l'impression que nos amis de Nieuwegein vont faire un bon score ici. Attention. Ils ne savent plus où les mettre. Tellement il y a d'amphores, ils ne savent plus où les mettre. J'ai l'impression qu'ici, Nieuwegein va marquer des points très importants pour eux. Et déjà, les concurrents sautent de joie, ce qui est normal. Alors, nous en avons à l'arrivée 7. La dernière était arrivée trop tard. The first, last one arrived too late. We have 7. Nieuwegein, 7. 7 pour les Néerlandais. Et maintenant, dernière équipe à passer, l'équipe italienne de Moena. Prêt? Attenzione. 3, 2, 1. Thank you.
y a dans l'équipe des lanceurs un lanceur néerlandais absolument redoutable. Les autres aussi, d'ailleurs, je dois dire. Ils prennent leur élan, ils envoient leur projectile avec une force. Et ils se réjouissent. Et ils se réjouissent. Et pourtant, s'en casse la vaisselle. Encore 10 secondes. 1, 2, 3, 4 en force semblent être arrivés. Et même une cinquième. Et c'est terminé. Nous allons avoir le résultat maintenant de l'équipe de Nivrein. De l'équipe de Moena, pardon. Alors, pour Moena. L'Italie, nous avons 5 en force. 5 en force pour Moena. Les points maintenant. Les points, la Hollande, 6 points. Nivrein, 6 points. L'Allemagne, 5 points. Schwebischmund, 5 points. Italie, ex aequo, 5 points. Moena, 5 points. La France, 3 points. Blanzac, 3 points. Pour la Suisse, 2 points. Carouge, 2 points. Et pour la Belgique, 1 point. Zwevegem, 1 point. Et à la fin de ce jeu, nous avons en tête l'équipe de Nivrein avec 22 points, suivie en deuxième position de Moena avec 10 points. Carouge est cinquième avec 8 points. À vous, Jacques Villers, pour le fil rouge. Eh bien, comme disait la piscine, la fontaine, la raison du plus en fort est toujours la meilleure. Mais passons outre. Et troisième fil rouge pour la Grande-Bretagne, Macclesfield. Voici donc deux corps anglais au fond du bois de lit. Attention, 3, 2, 1. Au plaisir de citer Macbeth de Shakespeare dans la fameuse scène des sorcières. Bubble, bubble, toil and travel, fire burn and cauldron bubble. Ce qui signifie en clair, trempe-toi, baby doll, ça va de mal en pyjama. Eh bien, c'était très vite, les Anglais ont été débarqués plus rapidement que prévu. Lui, c'était Derek Wilkinson, professeur d'éducation, d'éducation physique, et Shirley Wildig, directrice adjointe d'un centre de loisirs. Guido, le résultat déjà là. Alors, une nuit très courte. On a pour l'Angleterre 51 secondes. 51 secondes, c'est effectivement la nuit la plus brève. À vous, Georges, pour la suite. Eh bien, la suite, c'est un personnage que les téléspectateurs connaissent bien. S'ils ne le connaissent pas, je vais demander aux enfants ici. Qui est-ce? Oui, c'est Guignol. Eh bien, vous allez assister à une scène de théâtre Guignol sur un immense théâtre Guignol. Avec deux jeunes filles qui sont dans les citrouilles et le prince belge qui va devoir les faire tomber. L'équipe qui le plus rapidement fait tomber les deux citrouilles a gagné, bien sûr. Les équipes sont prêtes, les deux concurrentes sont prêtes, le prince est prêt, on peut y aller. Attention, la Belgique, 3, 2, 1. Les jeunes filles, ce sont des jeunes filles qui sont dans les citrouilles. Les jeunes filles sont allemandes, elles viennent de Schwebischmund. Et elles sont très résistantes, les jeunes filles de Schwebischmund. Une est tombée. Et voilà, on ne fait pas de quartier. Merci. Bravo, Guignol belge. Maintenant, le temps, bien sûr, c'est ça qui est important. Voilà, pour la Belgique, on a un premier temps de 37 secondes. Zwevegem, 37 secondes. Et maintenant, les jeunes filles dans les citrouilles vont être britanniques. Elles viennent de Macclesfield, vous le voyez au GB qui se trouve devant elles. Et le prince, lui, sera français. Nous retrouvons au Moyen-Âge, à l'époque de la guerre de 100 ans, mais elle va se régler cette fois à coup de bâton et non plus à coup de canon. On est prêt? Pour la France, attention, 3, 2, 1. De tomber. Oh, quelle a l'air triste. Et la deuxième aussi.
Bien, alors le temps pour le concurrent français de Blanzac. On a un meilleur temps de la Belgique, 24 secondes. Blanzac, 24 secondes. Ah, maintenant le concurrent britannique va être guidé. Il va pouvoir peut-être prendre sa revanche sur la façon dont on a éliminé les jeunes filles. Les jeunes filles qui, elles, sont dans les citrouilles seront néerlandaises. Le temps qu'elles arrivent, voilà. Amenez-nous ces deux petites poupées qui vont avoir des vertes et des pas mûres et qui vont recevoir des tas de coups de bâton comme au bon vieux théâtre guignol. Une est prête, l'autre est prête aussi. Are you ready? Everything is all right? Attention! Attention! 3, 2, 1. Guignol est britannique. Et maintenant, nous allons savoir le temps du guignol britannique. On a pour la Grande-Bretagne un temps de 35 secondes. Macclesfield, 35 secondes. Mais vous savez, vous entendez que les enfants qui sont là en spectateur, ils appellent guignol. Vous avez aussi le droit d'appeler guignol hein, et de l'encourager. Maintenant, le guignol sera allemand. Et alors là, ils auront besoin de vos encouragements. Les deux jeunes filles sont de Carouge. C'est Joël Herman et Evelyne Lachat. Montez, mesdemoiselles. La deuxième arrive. C'est sous les yeux de vos concitoyens que vous allez vous faire battre, mesdemoiselles. Le concurrent de Schwäbisch Gmünd a l'air prêt. Tout est prêt. Allons-y. Achtung, 3, 2, 1. Résister ici, hein. On ne se laisse pas faire quand on est carougeoise. Hop, allez, allez. Je m'attendais à ce qu'elle réponde. Alors maintenant, le temps pour le concurrent de Schwäbisch Gmünd. Pour l'Allemagne, 36 secondes. 36 secondes pour Schwäbisch Gmünd, belle résistance des carougeoises. Maintenant, Guignol sera néerlandais et les citrouilles seront belges. Viendront de Zwevegem. Première, on attend le prince, on attend la deuxième marionnette. La voilà, les victimes expiatoires d'un guignol déchaîné. Voilà. Non, 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 non. Les enfants réclament justice, qu'on mette Guignol à sa bonne place. Prêt? Si. Attention. 3, 2, 1. Oh là là, il est expéditif, ce Guignol-là. Pas fait de quartier, pas de pitié. Voilà, pour Hollande, le meilleur temps, 17 secondes. Nivreen, 17 secondes. Et maintenant, les deux concurrentes françaises de Blanzac vont se mettre en place sur leur petit podium. Pendant que Guignol se prépare, un Guignol qui aura besoin de vos encouragements, car Guignol, c'est un carougeois. C'est Daniel Chopuis, un menuisier de 19 ans. Alors Daniel, on est prêt, Chopuis? Daniel Chopuis, on est prêt? Attention, attention, 3, 2, 1. Ah.
première poupée expédiée pour la deuxième. Mais c'est qu'elle résiste, hein. C'est qu'elle ne veut rien savoir, elle ne veut pas se laisser faire. Elle répondra au coup de bâton, ma parole. Et voilà. Eh bien, quelle résistance. Et maintenant, le temps, le verdict du temps, ça c'est peut-être moins gai. Oui, exact, la Suisse a un temps de 43 secondes. Carouge, 43 secondes. Alors, les points, la Hollande, 6 points. 6 points pour Niederheim. La France, 5 points. 5 points pour Blanzac. Et on a la Grande-Bretagne avec 4 points. 4 points pour Macclesfield. L'Allemagne, 3 points. Schwäbisch-Gmünd, 3 points. La Belgique, 2 points. 2 points pour Zwievegem. Et la Suisse, hélas, 1 seul. Et 1 point pour Carouge. Et après ce jeu, attendez que je vois où nous en sommes au classement général. Eh bien, je ne le vois pas. En tête, nous avons la Hollande en tête et Carouge à la dernière position. Mais ça ne va pas durer, ça. Passons maintenant au fil rouge. Oui, un fil rouge où nous retrouvons cette fois l'Italie au lit. Le jeu de mots est faible, mais la rime est riche. Oui, très bien. Voici donc Moena sur le matelas retors. Attention, attenzione. 3, 2, 1. Un exercice qui devrait convenir aux habitants de cette cité nichée au cœur des Dolomites. Les Dolomites qui sont à Moenas, que le Salève est à Carouge. Oh, et Salève, alors très belle érection du lit. Et maintenant, ça va rappeler sérieusement l'assise des concurrents. Vont-ils tenir le coup et sauter au bon moment? Attention! Attention! Voici le garçon qui abandonne lâchement sa partenaire et lui fait de la ficelle en fin de la corde. Non, elle la rejoint à mettre en bas. Effectivement, on ne se quitte pas facilement en Italie. Lui, c'était Fulio et Martin, électricien, et elle, Gladys Belladio, étudiant. Les résultats sont déjà là, général. Alors, le temps total pour l'Italie, qui n'est évidemment pas très brillant, mais enfin, c'est meilleur que la Grande-Bretagne. 70 secondes. 70 secondes pour Moena. À vous, Georges. Eh bien, pour ce jeu suivant, j'aimerais que l'on montre d'abord que le concurrent de Moena, le capitaine de Moena, a décidé de jouer son joker, donc vos points seront doublés. Buona fortuna. Grazie. Grazie. Et vous voyez ce clou? Eh bien, vous imaginez que pour le planter, il faut un marteau un peu important. Le voilà, le marteau. Regardez-le. C'est l'équipe qui réussira à planter le clou le plus rapidement qui, bien entendu, a gagné. Eh bien, nous allons nous mettre un peu en retrait parce que moi, je n'aime pas recevoir des marteaux pour voir. Et nous avons un problème avec le fil, Georges, je crois, pour... Je vais passer derrière. Voilà, c'est pour éviter les chutes. Quoi que ce soit avec le fil. Voilà, bon. Bon, on mettra ça en place tout à l'heure. Blanzac pour le jeu du marteau. Attention. 3, 2, 1. Et maintenant, ça glisse. L'équipe la plus rapide et une jeune fille, bien sûr, pour les aider. Et puisqu'elle vous dit à gauche, c'est plus vite dit que fait, hein. Et c'est réussi. Mais il faut que nous vérifions maintenant à combien de temps Blanzac a réussi à accomplir cette action. Le temps pour la France, Georges, 27 secondes. Blanzac, 27 secondes. Et maintenant, ce sont les concurrents de Macclesfield qui se mettent en place le temps que l'on ramène le marteau, que l'on remette le marteau dans sa... Voilà, tout est prêt. Voilà. C'est prêt. Attention! 3, 2, 1! Macclesfield maintenant. Oh là! Oh. Ça c'est à eux, hein? C'est leur faute. Oui, c'est leur faute, c'est la, pour tous la même installation.
Maintenant, elle tient. Right, right, right. Elle continue à perdre de temps. Oh. Je vous assure qu'il est lourd, hein. Il est lourd, ce marteau. Quelques problèmes de matériel, mais des problèmes de matériel dont nous ne sommes pas responsables. Ils ont pris le manche de ce marteau avec beaucoup trop d'énergie. Oui, alors le temps pour la Grande-Bretagne, 39 secondes. Macclesfield, 39 secondes. Et maintenant, les Allemands de Schwäbisch-Gmünd, tout est en place. Voilà. Allez-y, préparez-vous. Attention, Achtung. 3, 2, 1. L'expérience sert, vous voyez. Et là, j'ai le sentiment que nous avons un temps record. Et que les concurrents de Schwäbisch-Gmünd ont montré comment il fallait faire. Voilà, vous êtes gentils, messieurs, bravo. Oui, alors un temps excessivement rapide pour l'Allemagne, 19 secondes. Schwäbisch-Gmünd, 19 secondes. Et maintenant, l'équipe italienne de Moena. Et je vous rappelle qu'elle a besoin de vos encouragements, elle a joué son joker. Attenzione. 3, 2, 1. Avec une rapidité extraordinaire, vont ils battre le record établi par Schwäbisch-Gmünd. Comme ils ont joué leur joker, ils se sentent très forts. Oui, non, oui, 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 oui. Oh là là, alors ça c'est le meilleur temps, 15 secondes. Un joker bien joué, 15 secondes pour Moena. Et maintenant, des concurrents qui auront besoin de vos encouragements, l'équipe de Carouge. Avec Roland Mage, Albert Michel, Charles Morin, Bernard Poussin, Bertrand Raval et Divina Pastor. Attention, 3, 2, 1. Pour entendre mieux. De 50 secondes. Je ne pense pas qu'ils auront besoin d'employés, j'espère pas. Allez, hop, du courage, allez-y, 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 éprouvez, allez, hop. Eh bien, malgré un accident, un excellent temps quand même. Pas de veine, hein. Il y a des jours comme ça. Alors, le temps pour Carouge, 43 secondes. 43 secondes pour Carouge. Et maintenant, l'équipe belge de Zwevegem. Attention, Andart. Non, non, là, sur la planche. Sur la planche, on the... Voilà. Andart, 3, 2, 1. Ah, c'est qu'il met infiniment plus d'énergie aujourd'hui pour la position. C'est le jeu, c'est le concours. Quelque chose qui se fait bien, tranquillement, normalement. Allons-y. Alors, j'ai le collège des juges à côté de moi. Oui. Qui dit combien? Alors, 20 secondes pour la Belgique. 20 secondes pour Zwevegem. Les points maintenant. Alors, l'Italie avec le joker, 12 points. Moena, 12 points. 2 fois 6, 12. Pour l'Allemagne, 5 points. Zwevegem, 5 points. Pour la Belgique, 4 points. 4 points pour Zwevegem. La France, 3 points. Blanzac, 3 points. Grande-Bretagne, 2 points. Macclesfield, 2 points. Et malheureusement pour la Suisse, 1 point. Carouge, 1 point. Et à la fin de ce jeu, nous avons toujours en tête Zwevegem et en deuxième position, Moena. À vous, Jacques, pour le fil rouge. Merci, Georges. C'était vraiment
le clou de la soirée. Cinquième fil rouge, les Pays-Bas avec Nieuwenhuizen, une nuit de noces à la sauce hollandaise. Un, deux, trois, deux, un. Et je vais entendre tout à l'heure le jeune Don qui chuchote à sa bien-aimée, étant donné la difficulté de l'exercice, je vais te faire le coup de l'armoire avant et celui du moulin avant après. Donc, je veux dire qu'on est l'âge de lui sur ce long de chambre aux armoires qui s'ouvre à la nuit et il existe encore en bataille. Der fliegende Holländer! Richard Wagner ne s'est pas trompé! Bain de mousse, les deux Hollandais, Emile Schrapp, professeur de culture physique, et Yvonne Oups, après ce bain de mousse, vont pouvoir s'offrir un véritable polder. Les résultats? Voilà, la nuit hollandaise compte 94 secondes. 94 secondes pour Nieuwenhuizen. À vous, Georges, pour le jeu suivant. Eh bien, avant ce jeu, j'aimerais vous présenter le capitaine de l'équipe de Carouge, Serge Desbioles, qui joue le joker de son équipe, et la capitaine de l'équipe de Macclesfield, Alana Flack, et beaucoup de chance hein, pour ce jeu. Donc vos points, les points de Macclesfield et les points... Oh, attention! Encore un joker qui arrive au dernier moment, mais ce n'est pas grave, monsieur, c'est nicht, macht nicht. Wir haben noch Zeit. Deutschland spielt auf sein Joker et Punkte werden getoppelt. Viel Glück! Donc trois jokers sur ce jeu. Alors je vais vous le montrer, ce jeu. Ce jeu, il consiste à crever 4 ballons le plus rapidement possible. Et pour les crever, les concurrents sont sur un char. Alors ce jeu se déroule en 6 séries. Vous allez voir tout de suite d'abord l'équipe allemande qui a joué son joker, Schwäbisch-Gmünd qui a joué son joker sur ce jeu, comme Macclesfield et comme Carouge. Alors là, des équipes qui ont besoin de vos encouragements. Est-ce que l'on est prêt avec l'équipe de Schwäbisch-Gmünd? Non. Il s'agit bien sûr d'un problème de sécurité. Bien boucler la ceinture pour qu'il n'y ait pas de danger et que les concurrents se sentent bien. Prêt. Achtung, 3, 2, 1. Schwäbisch-Gmünd tout seul d'abord. Raté. Et il faut revenir en arrière. C'est un effort où il faut à la fois de la vigueur pour savoir à quel moment de la force pour se lever et de l'adresse, pas comme ça. C'est ce qu'on appelle la nervosité, oui. C'est que les choses sont importantes. Si Schwäbisch-Gmünd joue bien son joker, il peut prendre la tête. Encore un, le dernier qui est au-dessus du mur. Et si vous le voyez, le concurrent, il ouvre la bouche comme pour dire quelque chose, comme pour espérer que l'air lui permettra de monter plus haut, plus vite. Et voilà sur le mur. Non. Eh bien, nous allons avoir maintenant le temps pour cette première équipe de Schwäbisch-Gmünd qui a joué son joker. Le temps pour Schwäbisch-Gmünd. Pour l'Allemagne, on a le temps de 1 minute et 20 secondes. 1 minute 20 secondes pour Schwäbisch-Gmünd. Et pendant que l'on ramène le chaillot de Schwäbisch-Gmünd, l'équipe de Macclesfield doit être prête. Est-elle prête? Ready? Attention. 3, 2, 1. 1 minute 20 à battre. Macclesfield a également joué son joker.
ballon crevé. Allez directement en haut. Ils n'aiment pas faire des va-et-vient ridicules. Pas mal comme technique. Intéressant. On gagne du temps, semble-t-il. Et regardez-le comme un capitaine de bateau qui dirige ses hommes. Forward, en avant-marche, en avant-toute. Mais oui, mais oui. Voilà. C'est une technique intéressante. Mais vraiment comme un grand capitaine de bateau. Ah non, là, il descend. C'est qu'il y avait un virage à prendre, c'est plus facile. Ouf. Ils emmènent un bout du décor. Ça, c'est... You have to go back. C'est leur faute, ils ont mal calculé leur coup. Et toujours comme un capitaine de bateau, il dirige son bateau. À bâbord, dit-il, à bâbord. Tout droit. Et voilà. Est-ce que cette technique a payé? Nous allons savoir tout de suite, je vous rappelle, le temps de l'Allemagne. 1 minute 20, et pour la Grande-Bretagne, Macclesfield. Avec le joker aussi, 1 minute 24 secondes. 1 minute 24 secondes pour Macclesfield. Et maintenant, les Italiens de Moena, renvoyez le chariot. Est-ce qu'on est prêts? Prêts. Alors, Moena, avanti. Attention. Non, hey, c'est pas moi qu'il faut écouter. C'est le coup de sifflet de l'arbitre. Il a beaucoup plus d'autorité que moi. Attenzione. 3, 2, 1... Et le temps est excellent pour l'instant. La technique des Italiens de Moena est excellente. Ah, elle devient un peu moins bonne. Si, quand même. Montez sur le dos. Oh non, attends. Attention, pas tomber à l'eau. On a dit que vous le cassiez comme vous voulez. Allez. Ah, c'est qu'il est en train de se dégonfler petit à petit. Il est en train de se dégonfler petit à petit, donc il avait fait un minuscule trou. Il n'y a pas de doute, à 1-0-4, il y avait un trou dans le ballon. Ensuite, le ballon s'est dégonflé. Alors, pour Moena, nous comptons le temps de... 1 minute 04. 1 minute 04 pour Moena. Oui, c'est évident, il n'y a pas de problème, on voit qu'il se dégonfle, il n'y a pas de problème. Alors maintenant, nous avons l'équipe néerlandaise de Nieuwegein. Je ne les vois pas, je ne sais pas s'ils sont prêts. Oui, bien. Before I just say for the British commentator, there was a hole in the balloon, we stopped the game when the hole was made. Under, 3, 2, 1... Meilleur temps à battre, 1 minute 4 secondes. Il vient d'être fait sous vos yeux par l'Italie. Allez, ah, les Anglais, oh, mais les Néerlandais sont très forts là. Non seulement ils ont de la précision, mais ils vont très vite. Ah là non, là, il faut le crever celui-là. Voilà, comme ça. On en est à quelques 35 secondes, me semble-t-il. Est-ce que les Néerlandais de Nieuwegein vont battre un record? Je crois que oui. Oui! Alors là, attendez-vous à des temps extraordinaires. Pour Nieuwegein? Pour la Hollande, on a 41 secondes. 41 secondes pour Nieuwegein. Et maintenant, Blanzac. Est-ce que vous êtes prêt, Blanzac? C'est prêt. Attention, pour la France. 3, 2, 1... Premier ballon crevé. Ah là, c'est abatté ça. Mais on s'approche, on y arrive.
Non. Oui. Et le dernier maintenant, un virage à prendre et au dernier ballon. Montez, crie-t-il. Ce dernier ballon pose des problèmes. Il est... Voilà! Quel temps avons-nous pour les concurrents de Blanzac? On a un temps de 57 secondes. 57 secondes pour Blanzac. Et maintenant, dernière équipe à prendre part à ce jeu, l'équipe de Carouge, avec à jouer son joker. Avec Serge Débiol, Daniel Chapuis, Jacques Rosset, Didier Zanon, Joël Herman et Gilles Lachat. Est-ce que vous êtes prêts? Oui, alors attention pour Carouge qui joue son joker. Attention, 3, 2, 1. Ils ont perdu, hein? Ils ont vraiment pas de chance, mais vraiment pas de chance. C'est un bon argot, ça s'appelle la poisse. Allez-y. Et hop. Voilà. Attention. Oh, hop. Maintenant, ça va, ils ont pris le coup. Allez, oh, hop. Oui. Alors, le temps de Carouge maintenant. On a un temps de 1 minute 05. 1 minute 5 secondes. Mais c'est le joker le mieux joué sur ce jeu. Oui, exactement. On a Hollande, 6 points. Nibrin, 6 points. Puis la France, 5 points. Blanzac, 5 points. Puis l'Italie, 4 points. Moena, 4 points. La Suisse, avec le Jolly, 6 points. La Suisse, Carouge, 2 x 3, 6 points. L'Allemagne, avec le Jolly, 4 points. Allemagne, Trebischbund, 2 x 2, 4 points. Et la Grande-Bretagne, avec le Jolly, 2 points. Et Macclesfield, 2 fois 1, 2 points. Et à la fin de ce jeu, nous avons en tête toujours Nibrin avec 34 points. En deuxième position, Moena avec 26 points. Et Carouge a gagné une place, ils sont maintenant 5e. Jacques Villers, à vous pour le fil rouge. 6e et avant-dernier fil rouge, la Belgique, c'est ça? Oui. Le couple de Zweigegem, un couple allégé pour cette course nuptiale. Je dois rire avant de donner le petit. Anda, Dri, Tve, En. Et comme vous pouvez le constater, les adversaires du couple belge n'ont pas pris des Bruxelles pour le bousculer. Mais Brabant, ses coups Hainaut. Dans les Flandres, le couple belge résiste. Il ne s'effrite pas et dit merx à ces méchantes sorcières qui veulent faire un plat de ce pays qui est le leur. Les deux Belges, Sepaul, Herman, nient leur position. Les garçons encouragent la fille en lui disant « Il faut que le corps et l'Amsterdam soient belges et tais-toi !» C'est l'une des seules compétitions sportives où la corde soit à l'extérieur. Cinq secondes encore. Attention.
Eh bien, comme vous le voyez, c'est un jeu qui marche très bien. Nous avons déjà les résultats, Gennaro. Alors celui-là, son résultat qui est très vite fait, puisque la Belgique a résisté deux fois 90 secondes, c'est-à-dire 180 secondes, c'est le temps. 180 secondes pour Zweegegem, c'est effectivement la tête du fil rouge. À vous, Georges. Eh bien, pour ce jeu qui va se dérouler maintenant, l'avant-dernier jeu, l'équipe de Blanzac joue son joker, les points seront doublés. Et l'on applaudit pour Blanzac qui joue sur son joker. C'est une très belle histoire d'amour. Vous avez raison de jouer votre joker là-dessus. Regardez comme cette fille est laide. Elle est tellement laide que seul l'amour pourra vraiment la rendre belle. Pour cela, le prince et son écuyer devront lui enlever à chaque passage une pièce de son déguisement. La jeune fille qui deviendra belle la plus rapidement possible aura bien entendu gagné. Oui. Gennaro. Alors nous sommes prêts pour l'Allemagne, Schwäbisch Gmünd. Achtung, 3, 2, 1. Et vous regardez comment ça se passe pendant que Robbie Probst joue de son bel orgue de barbarie. Non, il faut qu'elle laisse partir sa poitrine quand même. Mais... Ah, il y a eu deux pièces qui sont parties ensemble, voilà. Maintenant on est d'accord, elle repart avec tout. On ne sait plus très bien où on en est. On arrivera, voilà. Voilà. Bon, il semble manifestement qu'il y a eu de la confusion ici, qu'on a pris... On a voulu la mettre nue trop rapidement, cette jeune fille. Et le chrono s'arrêtera au moment où les deux s'embrasseront, bien entendu. Voilà! Le baiser qui rend tellement beau. Et combien de temps a-t-il fallu pour ça? Pour l'Allemagne, 48 secondes. Schwäbisch Gmünd, 48 secondes. Nous avons dû la freiner un moment parce qu'on lui avait enlevé deux pièces de vêtements à la fois. Ah they bon? They took off two pieces of the suit at a time. Bien. Alors tout est régulier maintenant? Tout est régulier. Parfait. Et maintenant, les Pays-Bas, Nieuwegein. Attention, attention, 3, 2, 1. J'espère que cette fois, ce déshabillage se passera correctement. Pour autant qu'un déshabillage puisse se passer correctement. Ah non, là, il faut qu'elle aille les chaussures. Oh là là, mais tout part ensemble. Et il faut prendre les chaussures. Ah, que va-t-il se passer ici? Que va-t-il se passer ici? Oui, là, il y a... les souliers sont si lourds par la pluie que nous avons accepté qu'elle puisse les perdre. Hein. Bon, c'est véritablement... elle les remet, c'est très bien. Voilà, c'est très bien. Hein? C'est tout en ordre, disent les arbitres, ils ont raison. Oui. Là, voilà, et le baiser de la victoire, peut-être de la victoire, je ne sais pas. Ça, c'est le temps et c'est le chrono qui va dire si nous... A... c'est vraiment glissant. Vous vous rendez compte qu'à quel point c'est difficile quand il pleut, ces jeux? Eh ben, dites donc. Dans ces circonstances de temps, oui, c'est difficile. Le temps pour la Hollande, 42 secondes. Nieuwegein, 42 secondes. Et maintenant, les Italiens de Moena. Attenzione. 3, 2, 1. Voilà. Ça a l'air de se passer normalement cette fois. Presque. Enfin... Et elle traîne les pieds, traîne les pantoufles, mon Dieu, c'est normal. Allez, oui, enlevez ça aussi, monsieur, oui. Allez, maigrissez un tout petit peu. Si vous pouvez maigrir aussi rapidement, qu'est-ce que je serais heureux, moi. Voilà. Et encore la tête. Et on voit que Moena est un village où l'on sait skier. Bravo. Est-ce que ce serait le match de la victoire? Pas tout à fait. Une seconde de plus que l'Hollande, 43. Moena, 43 secondes. Et maintenant, les Belges de Zweegegem. Mais il manque les concurrents. Où sont les princes charmants? Où sont les écuyers? Nous allons donner le départ et vous ne serez pas là. Et on ne parle plus maintenant. On donne le départ. Ah non, elle a perdu sa robe. Ah, il y a quelque chose de grave. Elle a déjà perdu sa robe. Il faut lui expliquer ça. Il faut lui expliquer qu'une jeune fille ne se promène pas sans robe.
Une jeune fille ne se promène pas sans robe. Ah là, quand même, hein. Nous allons remettre les vêtements et nous faisons partir la France avant à condition que la concurrente française soit prête. Oui, la concurrente française est prête et nous ferons partir la Belgique. Bien, alors Blanzac, je vous le rappelle, a joué son joker et a droit à vos encouragements. Alors Blanzac, avec un tour d'avance. Allez, mettez, cachez-vous derrière cette tête là, voilà. C'est prêt? Loin. Attention, 3, 2, 1. Voilà, l'essuyer, voilà, essayez de les garder au moins. Non, bon, allez, on n'en parle plus d'essuyer. On n'en parle plus d'essuyer, mais c'est encore plus difficile sans souiller. Ça sera plus difficile, malheureusement. Voilà. Oh, ya, heureusement qu'elle tombe sur de la mousse. Et que c'est pas trop grave. Et l'on s'aide et l'on s'entraide. Oui. Écorché, couronné comme un cheval, c'est pas très grave. Il n'y a pas de sang, ça va. Oh là là. Où sommes-nous? Que se passe-t-il? Le temps limite était de 50 secondes. La France est en dehors du temps limite. Alors 0-0-0 pour la France. Les glissades ont été très fâcheuses. Alors maintenant, est-ce que la Belgique est prête? Alors allons-y pour la Belgique. Bon, allez. Est-ce qu'on est prêt pour la Belgique? Malheureusement, c'est le matériel est le même pour toutes les équipes. On est d'accord. Nous devons jouer ce jeu dans de mauvaises conditions. Andart, 3, 2, 1. Et voilà. Elle va être encombrée non seulement par ses chaussures, mais également par ses culottes. Voilà. Je ne savais pas qu'on savait aussi bien skier que ça en Belgique. Voilà. Et voilà un déshabillage qui va vite. Voilà quelque chose qui est bien fait. Et voilà. Alors, pour la Belgique, nous avons un temps de 35 secondes. 35 secondes pour Zwevegem. C'est la preuve que quand on garde ses souliers, on peut mieux faire le jeu qu'en les quittant, comme l'appelle la jeune fille française. Et maintenant, la dernière équipe, l'équipe de Macclesfield. Un peu de musique. Will you please get in? Wonderful, thank you very much indeed. Attention! 3, 2, 1. Et c'est parti pour Macclesfield. Elle fait ça posément, tranquillement. Ah voilà. Première pièce. Ah maintenant, non. Oh là là, il y a des choses qui se perdent. Véritablement qu'on les aide à rester habillés. Voilà, plus qu'une pièce. De toute façon, Jacques, ce sera trop tard. Malheureusement, les 50 secondes sont passées. Alors, on est en dehors du temps limite pour la Grande-Bretagne également. Too late for Macclesfield. Oui. Alors, les points maintenant. Alors, les points. Le meilleur temps pour la Belgique. Ah, attention. Il y a des protestations de la part des capitaines, mais le matériel est identique pour tout le monde. Le matériel était le même pour tout le monde. La pluie est la même pour tout le monde. Nous ne pouvons pas recommencer ce jeu. Attention. La Belgique, 6 points. 6 points pour Zwevegem. La Hollande, 5 points. 5 points pour Nieuwenhuizen.
L'Italie, 4 points. 4 points pour Moena. L'Allemagne, 3 points. 3 points pour Schwäbisch-Gmünd. Pour la France avec le Joker, 2 points. 2 points, 2 fois 1, 2. Et pour la Grande-Bretagne, 1 point. 1 point pour la Grande-Bretagne, 1 point pour Macclesfield. Et maintenant, au fil rouge, pour le dernier fil rouge, Jacques Villers. Effectivement, Georges, le dernier fil rouge, le fil de Carouge. Il faudra que les Carougeois, absolument, se mettent dans de beaux draps. Ils entendent tirer au petit bout de la couverture de Jeux sans frontières. Attention pour le dernier fil rouge. Oui. Attention, 3, 2, 1. Voilà, courage, Carouge. Allez, Carouge, allez, Carouge. Lui, c'est Roland Marie, étudiant. Elle, Divina Pastor, une infirmière, et ça n'est pas étonnant. Vous voyez comme elle soigne la manière. Est-ce que l'étoile de Carouge va enfin briller dans ce jeu? Attention, il faut qu'il saute! Eh bien, alors ça a été une plongée assez mémorable. Nous allons voir bientôt le temps de Carouge au fil rouge. Et puis surtout, ce qui va être très important, c'est les résultats finaux de ce fil rouge. Alors, Guido. On a pour Carouge aussi une nuit très courte avec 81 secondes. 81 secondes pour Carouge. Tous les points, on a en tête la Belgique avec le maximum 7 points. 7 points pour Zweigegen. Deuxième place, la France, 6 points. 6 points, Blanzac. Allemagne, 5 points. Schwäbisch-Gmünd, 5 points. Hollande, 4 points. Viveren, 4 points. La Suisse, 3 points. Carouge, 3 points. Italie, 2 points. Moena, 2 points. Et la Grande-Bretagne, 1 point. Et 1 point pour Macclesfield. Et bien voilà, Georges, je vous laisse retrouver votre prince et sa suite au dernier numéro. Et bien, pour avant le dernier jeu, je vais vous donner leur classement. En tête, nous avons Viveren avec 43 points. Qui paraissent quasiment intouchables. En deuxième position, Moena, 32 points. Troisième, Blanzac, 30 points. Quatrième, Schwäbisch-Gmünd, 29 points. Cinquième, Zweigegen, 27 points. Sixième, Carouge, 19 points. Et septième, Macclesfield, 16 points. Et maintenant, le dernier jeu que la pluie a rendu encore plus difficile, une course à l'américaine. À chaque série, tous les concurrents vont s'élancer. Le dernier arrivé sera éliminé. Et on recommence jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un. On est prêt? Attention! 3, 2, 1! Il s'agit simplement d'arriver en haut. Et vous voyez que dessous, il y a des adversaires qui empêchent cette progression. Le néerlandais, l'italien, l'allemand sont déjà arrivés en haut. Nous prolongeons le temps de cette montée. Nous avions 30 secondes, mais étant donné que le tapis est très glissant, nous prolongeons. Le concurrent suisse, c'est Albert Michel. Est-ce qu'il arrivera à atteindre cette corde qu'il désire tant? C'est pénible et c'est difficile. Et ça glisse terriblement. Oui. Nous allons abolir les pousseurs dessous, étant donné les conditions du tapis qui est trop glissant. Et nous faisons une manche sans pousseurs avec ces quatre garçons. Non, les trois autres étant d'ores et déjà qualifiés. Bien, alors, vous avez... We will take out the pushers behind, under the carpet, and we will allow the four competitors to climb up without pushing. Donc, il n'y aura plus de pushers sous la toile, et les choses iront peut-être un peu plus facilement, car nous voulons arriver à un résultat, nous ne voulons pas utiliser un jeu de réserve pour ce dernier jeu.
qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelque chose qui vous parle, il y a un joker, Eh bien, on va demander à notre concurrent de nous envoyer son joker là-haut. Est-ce qu'on va réparer le matériel? De quelle façon? Est-ce qu'on peut lui donner quelque chose d'autre? Éventuellement son épée? Son épée? Son épée? Bon, alors, pour cette dernière tentative, sans pousseur. Alors, attention, 3, 2, 1. Ça va mieux, mais c'est quand même encore très difficile. Tant pour le concurrent français que pour le concurrent carougeois. Oh, oui, voilà, non! Oui, sans discussion, la Suisse est éliminée. Alors, le premier éliminé, le concurrent de Carouge. Suisse à la septième place. Et maintenant, tout le monde redescend, excepté le concurrent de Carouge. Et la Suisse reste en haut. Voilà. C'est un chaos, il a l'air de... Il a l'air de dire ça va. Voilà. How do you feel? Attention. 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 Donc, en dernière position, Carouge. Attention, 3, 2, 1. Tous les concurrents, moins le concurrent de Carouge. Et vous voyez que cette petite blessure n'a pas empêché le concurrent de Macclesfield d'arriver en haut et de qualifier. C'est la France qui est éliminée en sixième place. Donc, 3 éliminations de la France. Et maintenant, les autres concurrents redescendent pour la manche suivante. Alors redescendez doucement. Seulement la France reste en haut, la France reste en haut. Et voilà. Carouge, voilà. Et on leur demande de descendre très lentement parce que... Bien sûr, c'est pas la peine. Glissant. Voilà. Voilà, ces messieurs sont tous en bas. Schwebismuth, Macclesfield, Zwevegam et Moena et Nivegame. Attention. Attention. 3, 2, 1. C'est la Grande-Bretagne, Great Britain, you are out. Éliminé Macclesfield. Maintenant vous redescendez pour la manche suivante. Descendez avec précaution, tranquillement. Voilà. Attention. Nous avons en lice encore l'Italie, les Pays-Bas, la Belgique et l'Allemagne. Attention, 3, 2, 1. Le dernier arrivé est éliminé. Alors, la dernière arrivée est la Hollande. Hollande, you remain. Éliminé, Nieuwegem est éliminé. Vous redescendez maintenant. Hollande à la quatrième place. Il nous reste encore la Belgique, l'Allemagne et l'Italie. Et l'Italie. Schwebismuth, Zwevegam et Moena. Attention. Attention. 3, 2, 1. Lequel des deux? L'Allemand est arrivé, l'Italie est arrivée. La Belgique est éliminée à la troisième place. Concurrent belge éliminé. Maintenant, la finale. Lequel des deux sera le premier, de l'Italien ou de l'Allemand? Redescendez, dernière fois, dernière course. Oui. Voilà, ils commencent à être très fatigués, ces deux concurrents. Mais c'est leur dernière montée. Le premier arrivé sera le vainqueur. Attention, 3, 2, 1. Voilà.
Alors, Italie, et Allemagne, première place. Bien, tournons-nous vers des caméras pour avoir les points. La Suisse, un point. Carouge, un point. La France, deux points. Blanzac, deux points. La Grande-Bretagne, trois points. Macclesfield, trois points. La Hollande, quatre points. Liberheim, quatre points. La Belgique, cinq points. Zwevegem, cinq points. Italie, six points. Moena, six points. Allemagne, sept points. Et Schwebismund, sept points. Et à la fin de ce jeu et à la fin de l'émission, nous avons en tête et remportant l'émission de Carouge, Niverheim avec 47 points. En deuxième position, Moena, 38 points. Troisième, Schwebismund, 26 points. Quatrième, Zwevegem, 32 points. Cinquième, il y a deux quatrièmes ex aequo avec Blanzac également 32 points. Sixième, Carouge. Et septième, Macclesfield. Jacques, voulez-vous aller donner ce trophée au père de nos sept filles à marier afin qu'il le remette bien, parce que d'abord, il est très lourd. De Niverheim. Ils en feraient un meilleur usage que moi. Distribuez-le au vainqueur. Captain. Alors, il faudrait que l'équipe de Niverheim aille chercher son trophée, c'est la moindre des choses. Et la joie est tellement grande qu'ils oublient d'aller réclamer leur trophée. Si vous ne le prenez pas, je ne vous le donne pas. Vous voulez prendre le trophée, prenez-le, s'il vous plaît. Et voilà. Et voilà, c'est sur cette victoire de l'équipe néerlandaise de Niverheim que se termine cette émission. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours à Ludwigsburg. J'espère qu'il fera un peu meilleur temps et que tout pourra aller mieux. Et je vous demande maintenant à tout le monde ici d'applaudir les équipes qui se sont données tellement de peine sous cette pluie. Mesdames et messieurs, bonsoir, à dans 15 jours.